Hier, j'ai rêvé que j'étais revenue au XXe siècle. Au début, je me promenais dans Saint-Brice avec mes amis et j'entendis au loin les grondements du géant monstre de fer. Nous avions donc décidé d'aller le voir. Une fois arrivés, nous étions stupéfaits du nombre de voyageurs à attendre au niveau du quai. Nous avions donc demandé à un voyageur pourquoi il y avait autant de monde. Il nous a répondu: C'est les soldats! Ils reviennent! Nous avions donc décidé de rester sur le quai pour les attendre. L'air avait l'odeur de bois brisé. Le train ne devait donc plus tarder. Nous voyons dans les yeux des personnes beaucoup d'inquiétude et de stress. On entendit son grognement, puis quelques coups de frein sur les rails. On entendit aussi la vapeur qui s'échappait du train. Nous vîmes aussi l'épais brouillard qui le suivait. Tout d'un coup, le train arriva comme une fusée. Une fois qu'il fut arrêté, les familles s'approchèrent en masse des portes. Nous étions très curieux, donc nous nous rapprochions aussi. La foule faisait un brouhaha assourdissant. Après une ou deux minutes, les portes s'ouvrirent et les soldats descendirent un par un. Au fur et à mesure qu'ils descendaient, nous voyions des familles heureuses. Et les enfants, émus, couraient dans les bras de leur papa. Nous avions même assisté à une demande en mariage. Tout cela était très émouvant. Une fois que tous les soldats étaient descendus, nous voyions une femme et ses deux enfants qui criaient. Oui, Jean, s'il vous plaît, aidez-nous! Nous avons vu un soldat aller les voir et leur parler. Tout d'un coup, la femme se mit à fondre en larmes. Cela nous a fait très mal au cœur. Le temps était couvert et le vent commençait à être glacial. Je ne me souviens plus très bien, mais je crois que nous étions en janvier. Je me souviens avoir jeté un dernier coup d'œil au train. C'est vrai qu'il était très grand. Je dirais 3 mètres de haut et 2 mètres de large. Mais après, je me suis réveillée. C'est bizarre, j'avais vraiment l'impression d'y être. Maintenant, dès que je vais sur la voie verte, je ferme les yeux et je m'imagine le train et les soldats qui en descendent. Je prends une profonde inspiration et j'imagine l'odeur brisée de l'air.